La guerre froide, chronologiquement, elle naît au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à partir du moment où il y a une rupture dans une grande alliance qui avait été réalisée, créée durant la Seconde Guerre mondiale entre l'Union soviétique et les États-Unis. On pourrait dire que c'est un affrontement qui dure de 1946-47 jusqu'à 1991. C'est un affrontement de deux superpuissances qui ont organisé chacune un bloc autour d'elles-mêmes, et c'est un affrontement qui a une dimension idéologique, militaire, qui a une dimension politique et qui a une dimension d'organisation globale. En mars 1947, Winston Churchill, prononçant un discours à Fulton, Université de Missouri, dans lequel il dit de Stettin dans la Baltique à Trieste en Adriatique, un rideau de fer a coupé l'Europe en deux. Dès les grandes conférences de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Potsdam, Yalta, on sait d'un point de vue idéologique que les deux grands vainqueurs, États-Unis et Union soviétique, ne pourront pas s'entendre. Pourquoi ? Parce qu'on a deux régimes politiques complètement opposés. C'est l'eau et le feu. C'est complètement antinomique. Chacun des deux va constater que l'autre ne respecte pas ses engagements et chacun des deux a raison. Les soviétiques s'étaient engagés à ce qu'il y ait des élections libres dans tous les pays d'Europe de l'Est et les élections ne sont pas libres. Les Américains s'étaient engagés à ce qu'on casse l'Allemagne, à ce qu'on la détruise, à ce qu'on la démonte, à ce qu'il n'y en ait plus, et ils commencent à la reconstruire. Donc il y arrive un moment où les deux vont se dénoncer. Et il y arrive un moment où les Américains vont considérer que les Soviétiques deviennent dangereux. Alors là, c'est le vrai début. 1947, le président Truman présente sa doctrine. Et l'idée de Truman, c'est que plus un pays est pauvre, plus il risque de devenir communiste. Donc Truman va proposer aux pays d'Europe de les aider financièrement. Et ça, ça s'appelle le plan Marshall. Ceux qui vont accepter vont devenir les alliés des États-Unis. Les Soviétiques vont imposer le refus aux pays qui sont déjà dans leur zone d'influence, et à partir de ce moment-là, il y a une rupture. On a une superpuissance, une autre, et chacune de ces superpuissances a satellisé, soudé autour d'elle un certain nombre de pays avec des liens économiques. Il y a une alliance économique autour des États-Unis, il y en a une autour de l'URSS, qui sont des liens politique, il y a un mode d'organisation politique, c'est en gros la démocratie libérale autour des États-Unis, même s'il y a des dictatures dans le bloc, et c'est en gros la dictature des partis communistes. Il y a une dimension idéologique fondamentale, le marxisme-léninisme dans un cas, l'anticommunisme dans un autre. On a des alliances militaires, le pacte de Varsovie, l'OTAN. L'OTAN, qui naît en 1949, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est une structure militaire intégrée pour faire une opposition à la menace militaire soviétique. Une société de consommation, une société aussi de l'opulence, de la richesse, c'est le mode de vie américain. L'Amérique est vraiment la première puissance économique et en réalité ce qui vous paraît aujourd'hui faisant partie enfin, du quotidien étant complètement naturel. Ça vous paraît naturel d'avoir une télé, d'avoir un réfrigérateur, d'avoir une voiture. Vous voyez cette grosse voiture américaine là, une Lincoln, eh bien, il faut se rendre compte qu'il y a 50 ans, dans la France de l'après-guerre et dans la plupart des pays qui se relevaient du second conflit mondial, avoir une voiture, avoir un réfrigérateur, mais c'était un objet de luxe. On est dans une économie libérale, liberté de créer son entreprise, dans les pays du bloc de l'Est, c'est l'idéologie politique qui compte. Et on met en avant, voyez-vous, pour inculquer un certain nombre
de valeurs ou de théories politiques des personnages comme Lénine. À partir en gros de l'école primaire et jusqu'à ce que l'on devienne adulte, on était dans des organisations qui regroupaient des jeunes. On en essayait de faire de ces enfants dans les pays de l'Est des bons socialistes, des bons communistes. On est dans une économie dirigée, contrôlée. Et c'est l'État qui est propriétaire des biens, propriétaire des sociétés. L'État contrôle, surveille et donne les messages officiels. Et cette radio, par exemple, ben vous êtes sûr de n'écouter que les informations que l'État souhaite vous diffuser avec cette radio à fréquence unique. Dans tous les pays du bloc de l'Est, il est très difficile de consommer. Seuls ceux qui appartiennent au Parti communiste, qui sont les responsables ou les leaders politiques communistes, peuvent obtenir ces objets de consommation. Les trois grands s'étaient entendus pour se partager l'Allemagne. Il ne devait plus y avoir d'Allemagne. C'est ça qui est curieux, original. L'Allemagne, on ne considère pas qu'elle est vaincue et qu'on va traiter avec le vaincu, on veut la détruire. Donc en 45, 6, 7, 8, il n'y a plus d'Allemagne. Il y a une partie de l'Allemagne qui est occupée par l'URSS, à l'Est, il y a une partie par les Anglais, il y a une partie par les Américains, et Anglais et Américains se sont entendus pour en donner une petite partie aux Français. Mais en fait, si vous regardez la carte, les Soviétiques ont un tiers, à l'est, et les trois occidentaux ont les deux autres tiers. Donc Berlin se trouvait isolé dans la zone soviétique, et il y avait un tiers de Berlin soviétique et deux tiers de Berlin alliés. Et il fallait donc survoler une partie soviétique pour aller se poser à Berlin, on va dire Berlin qu'on appellera par la suite Berlin-Ouest. Staline, le patron de l'Union soviétique, veut affamer, veut faire plier Berlin-Ouest. Et pour faire plier Berlin-Ouest, il va instaurer ce qu'on appelle un blocus, c'est-à-dire un enfermement, et empêcher tout approvisionnement par voie ferrée ou par voie routière. Pour cause de travaux, disaient les Soviétiques. Mais tout ça, ça a été feutré parce qu'il ne s'agissait pas de faire la guerre. En fait, c'était clair, Berlin-Ouest allait s'asphyxier. Et Staline pensait qu'il allait, il n'y avait qu'à attendre que le fruit tombe. Truman a immédiatement décidé de faire quelque chose. Mais faire quoi? Soit il envoyait des chars pour dégager les soi-disant travaux, il pouvait le faire, mais à ce moment-là, c'était la guerre, et il ne veut pas l'affrontement avec les Soviétiques, parce que du point de vue militaire, ça risque d'être très dur. Donc, il va avoir l'idée d'un pont aérien, c'est-à-dire faire décoller des avions de la partie ouest de l'Allemagne pour aller les faire poser dans la partie ouest de Berlin. Staline a deux solutions, soit il tire sur les avions, il peut faire, mais c'est la guerre, et il ne veut pas la guerre. Et là on voit ce que c'est que la guerre froide, hein, une sorte de grande partie d'échec, ou alors il laisse poser les avions, ce qu'il va faire parce qu'il est persuadé que ça va rater. Et là c'est la puissance de la logistique américaine, hein. Les Américains vont organiser des vols, c'est assez phénoménal, le blocus de Berlin c'est vraiment, quand on dit un pont aérien, des avions qui arrivent, qui se posent à Berlin-Ouest, s'ils n'arrivent pas à se poser, ils doivent retourner pour ne pas arrêter le suivant, les avions se posent, on les décharge, et comme ça pendant 11 mois, il va y avoir des 275 000 vols, et ils vont réussir à faire vivre la ville. Und die Flugzeuge sind alle Minute, jede Minute ist ein Flugzeug eingeflogen und hat Lebensmittel gebracht. Und im Winter haben sie sogar Kohlen gebracht. Allerdings war das nicht viel, das war 25 Kilo für den ganzen Winter. Aber und daher wurden auch viele Parks abgeholzt, denn nachts sind wir dann rausgegangen und haben die Bäume abgesägt, um etwas heizen zu können. Die östliche Regierung wollte Berlin praktisch aushungern. Und als sie dann gemerkt haben, das schaffen sie nicht, weil die westlichen Alliierten uns ernährt haben, da haben sie dann am 9. Mai 1949 die Blockade beendet. Und dann konnte man wieder hin und her fahren. Auch in den Ostsektor und auch nach Ostdeutschland. La guerre froide, ce sont aussi des crises. C'est-à-dire des moments où les deux super grands se sont pas tapés dessus directement, mais se sont tapés dessus par pays interposés. Une guerre importante entre 50 et 53, qui est une guerre en Corée, entre la Corée du Nord communiste
et la Corée du Sud soutenue par les États-Unis. Les deux Corées sont encore séparées par une ligne, par une sorte de mur. Le moment où on a connu la tension la plus forte entre les deux super grands pays, c'est en octobre 62, avec une crise, la crise dite de Cuba. Castro s'empare de Cuba après avoir fait une révolution, après avoir renversé un régime qui était proche des États-Unis, et installe à Cuba un régime socialiste. Un régime qui va faire appel à l'Union soviétique pour se maintenir. Castro autorise l'installation de rampes de lancement de missiles atomiques soviétiques pour pouvoir potentiellement envoyer le feu nucléaire, la bombe atomique sur les États-Unis. Kennedy, sachant que, après avoir vu ces photographies, s'adresse à la nation américaine et dit « Nous n'accepterons jamais que le territoire américain soit menacé par l'arme atomique soviétique. » Un bras de fer, une tension vraiment très forte parce que des bateaux soviétiques, comme on le voit là-bas, le Poltava et d'autres, apportent en octobre 62 du matériel pour installer les missiles atomiques. On est au bord du gouffre. On va, par la diplomatie, par la discussion, faire en sorte que la crise de Cuba ne se transforme pas en guerre ouverte, en guerre chaude. Et donc, à partir de 62, ils ont décidé de coexister. Un secrétaire d'État américain qui a dit « il faut s'entendre ou disparaître ». Les armes nucléaires sont devenues tellement puissantes que cette guerre nucléaire, si elle éclate, elle détruira les deux puissances. Si les Soviétiques tirent les premiers, ils vont détruire les Américains. Mais la technologie est telle que les Américains sauront que les missiles arrivent. Donc dans les 25 minutes qui restent à vivre aux États-Unis, il n'y a rien qui les empêche d'appuyer aussi sur le bouton. C'est un peu à la fois fascinant et absurde, la guerre nucléaire. Donc à partir du moment où on sait que si on détruit l'autre, on sera détruit soi-même, le mieux c'est de s'entendre. Alors ce qui est nouveau dans le début des années 70, c'est que les Soviétiques commencent à avoir des alliés dans tous les endroits du monde, sur d'autres continents. Et quand un pays devient indépendant, souvent, ils aident les mouvements communistes et ils ont parfois de nouveaux alliés. Alors les Américains sont très effarés parce que les Soviétiques se placent beaucoup en Afrique, par exemple, en Amérique centrale. Donc ça donne aux Soviétiques une espèce de puissance mondiale qui fait très peur aux États-Unis. Dans la course aux armements, essoufflée par les efforts à faire face à l'Amérique, l'économie soviétique a craqué. En URSS, la société n'était plus celle de 1917-1920. C'était une troisième génération. Et elle mesurait bien les rodomontades de Khrushchev qui disait « on va dépasser les États-Unis » en 61. Et c'est pour ça qu'il y a Gorbatchev, où on nomme un réformateur pour réparer tout ça. Il a dit « je renonce à l'emploi de la force, je veux renoncer à la guerre froide, je veux m'entendre avec les Occidentaux ». Donc à ce moment-là, on n'est plus dans la réforme du communisme, on est dans le passage à autre chose.